Pour ces jeunes sourds belges, un détour par la Cité des Sciences est l'occasion de profiter d'une visite guidée dans leur langue. Un apprentissage sans effort et unique en son genre. Car aucun autre musée de France ne permet un contact aussi direct avec le savoir. Ici à la Villette, nous sommes au paradis, un paradis pour sourds. Prêt pour le décollage ? Ce sont les soviétiques qui sont arrivés les premiers à cet exploit. Le 4 octobre 1957, une fusée met en orbite le satellite Sputnik. Un mois après, les Russes lancent un nouveau satellite. À son bord, le premier être vivant, la petite chienne Laïka. Les Américains relèvent le défi. Ce sera Neil Armstrong qui posera le premier un pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Donc plus mesurer mon poids. Nous sommes tous deux en apesanteur. Aïe, 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 aïe. Je suis très pointilleux sur la linguistique. Je fais très attention au vocabulaire. Eric aussi, d'ailleurs. On ne peut pas inventer n'importe quoi en langue des signes. Prenons le mot « géologie » qui n'avait pas de signe équivalent. J'ai commencé par une longue phrase. J'ai dit « Voilà la Terre, on la coupe en deux. À l'intérieur, il y a le noyau en fusion. Et puis les différentes couches pour arriver jusqu'à la croûte terrestre. » Cette longue phrase en langue des signes, je l'ai réduite petit à petit pour arriver finalement à un seul signe, le signe « géologie ». Mais aujourd'hui, si un enfant me demande pourquoi ce signe, je reprends toute l'explication depuis le départ. Ce site est accessible à tous les publics. Les sourds, les aveugles, les personnes en fauteuil, les handicapés mentaux. La Villette permet de tout comprendre sans effort. On n'oblige pas les sourds à comprendre sur les lèvres. Les explications leur sont données dans leur langue, en langue des signes, ce qui leur permet d'assimiler et de vraiment acquérir des connaissances.
Moi, j'ai adopté une petite stratégie pédagogique. Pas la peine de leur donner des grands textes. Je commence par des choses très visuelles, des images, des vidéos. Alors les jeunes accrochent, ils sont enthousiastes. Et peu à peu, je leur demande de faire des recherches avec des mots-clés. Et là, ils s'aperçoivent que les mots, on ne peut pas les écrire n'importe comment. Chaque lettre doit être à sa place. Ils découvrent que sur l'Internet, on a besoin du français, qu'ils doivent être précis, on n'est pas dans l'approximatif. Et après, quand ils ont réussi et qu'ils voient le résultat de leur recherche, ça les motive encore plus et ils veulent continuer. Les jeunes et tous ceux qui participent à cet atelier se rendent compte que l'Internet facilite la communication. C'est un moyen d'insertion sociale parce qu'on a accès à l'information. Si on compare avec d'autres médias, comme la télé ou le téléphone, l'Internet permet d'accéder à des connaissances à égalité avec les entendants. Les sourds prennent de plus en plus conscience de son intérêt. D'ailleurs, ils communiquent de plus en plus par email. C'est pas terminé, c'est pas gagné. Il y a encore de l'exclusion. Il y a des sourds qui sont encore en marge. Il faut se battre et convaincre les sourds de venir se former ici, qu'ils s'intègrent à ce monde de l'Internet. Il ne faut pas qu'il y ait une information à deux vitesses.
arrivé à la Villette, je me suis aperçu que les entendants étaient très timides avec les sourds. Dès qu'on s'approche d'eux, sans dire un mot, ils sont morts de trouille. Alors j'ai réfléchi et j'ai mis en place une formation courte sur 3 jours pour leur faire découvrir la communication non-verbale, la CNV. Et grâce à ça, la timidité s'estompe. On travaille sur la visiophonie au niveau européen, parce que la Villette est le seul site à utiliser la langue des signes internationale au quotidien. Pourquoi ? Eh bien parce que ici, on reçoit des Américains, des Européens, des Chinois, des Japonais, et donc on développe des visioconférences mensuelles avec différents pays. On a plein de sujets à explorer ensemble, entre la génétique et la menace d'eugénisme pour les sourds, et aussi le clonage, les nouvelles technologies, la biotechnologie, les implants cochléaires et autres implants. L'avenir est préoccupant. Depuis que je suis arrivé, on a réussi à créer un réseau européen vraiment actif et qui se développe très rapidement. Dis-moi, est-ce qu'on peut mettre l'orecro de ce côté ou de l'autre côté ? À 2 ou 3 mètres de l'orecro. Pour que l'interprète et l'intervenant ne soient pas trop loin, parce que sinon ça va fermer. Hein. Ouais. Non. Justement, je vous laisse à la technique lumière, mais moi, c'est surtout pour l'interprète, je veux qu'on le voit, l'interprète, c'est ça. Et puis, il ne bougera pas, je veux qu'on le voit. Oui. Voilà, comme ça, la rétroprojection. Et puis... Là, tiens, ici, là, c'est bien, il y a de la lumière. Ils auront la lumière. Là, c'est très bien. Un expert, un médecin ou un conférencier, bien sûr, un interprète est toujours présent et je filme la traduction de l'intervention.
J'en profite pour poser des questions et j'enregistre aussi l'échange des questions et des réponses. Ensuite, dans mon bureau, je visionne la cassette à plusieurs reprises. Et avec Eric, on fait la synthèse de ce qui est dit. Quand on est satisfait du résultat et que je connais mon sujet par cœur, je me filme en train de signer. Après ça, je visionne cette cassette plusieurs fois pour m'en imprégner. Et là, je suis opérationnel pour aller à la rencontre du public. Avec le groupe de jeunes sourds, nous allons visiter l'exposition qui s'appelle « L'homme et les gènes ». Qu'est-ce que la génétique ? Qu'est-ce que c'est que cet ADN que nous avons dans le corps ? Je vais essayer de le leur expliquer clairement, sans utiliser de mots compliqués, seulement des signes très imagés. Allons-y. Des centaines de millions de petites molécules désignées par quatre lettres, ATCG, adénine, thymine, cytosine, guanine, les nucléotides.
elles ont aussi d'autres vertus. Elles servent notamment à dépister les maladies génétiques à un stade précoce. Après une fécondation in vitro, on prélève une ou deux cellules sur une grappe. Si les marqueurs révélateurs de l'altération génétique rejetée n'apparaissent pas dans la chimie, l'embryon peut être implanté chez la mère. Avant l'hiver, petit homme et petit de singe se ressemblent beaucoup. Leur génome est semblable à 98,4%. À nous seuls, on ne peut pas révolutionner l'éducation des sourds en France. Il faut que les enseignants s'engagent avec nous, dans les institutions, à l'école, à l'éducation nationale, pour remédier à l'échec scolaire. C'est aussi aux entendants de s'impliquer et de se sentir concernés. Il faut qu'il y ait un vrai débat politique et que l'on parle enfin de bilinguisme, parce que c'est la langue des signes et la